Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Petit programme mais extrêmement cool avec des annonces juste folles. Mais ne perdons pas plus de temps, vous connaissez la formule, c'est le 401ème récap ciné et série, actualisons. Waouh, quel début de semaine riche en bonnes nouvelles, hein. La première est tombée ce matin, je me suis d'ailleurs empressé de vous la partager sur mes réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, hein, pensez à me rejoindre. Comme le responsable de Disney l'avait teasé d'ailleurs, hein, Disney Plus sortira donc plus tôt que prévu en France. Au lieu de sortir le 31 mars comme annoncé, ce sera la semaine précédente, soit le 24 mars. Ce qui est déjà très cool, hein, ça va être exceptionnel. Au niveau du prix, ce sera 6,99€ par mois ou 69,99€ par an. Ce qui revient à un peu moins de 6€ une fois divisé par 12. Mais rassurez-vous, on en reparlera, notamment pour savoir le contenu que nous pourrons y retrouver. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo présentation du Disney Plus, mais sur la version québécoise. Dans un autre genre, ce fut là aussi la bonne nouvelle de ce début de semaine, les films Ghibli arrivent sur Netflix à partir de février. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais c'est une grosse annonce. En effet, Netflix vient d'obtenir les droits de diffusion du studio japonais Ghibli pour tous les pays où il est présent. Sauf les États-Unis où là c'est HBO Max de Warner Bros qui n'est pas encore sorti, et sauf le Japon aussi. Donc cette nouveauté concerne autant la Belgique que la France, la Suisse, etc. Globalement, les pays francophones y auront droit, à part peut-être malheureusement le Québec, puisque le Canada est hors du deal. Mais on aura le droit à quoi en fait? Eh bien à l'ajout de 21 chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. Bon, ils n'arriveront pas tous direct le 1er février, hein, ce serait clairement trop beau, l'ajout va se découper en 3 vagues. Le 1er février 2020, Le Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la Petite Sorcière, Souvenir Goutte à Goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan et Les Contes de Terre-Mère. Le 1er mars 2020, Nausicaa de la Vallée du Vent, Princesse Mononoke, Mes Voisins les Yamada, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Arrietty le Petit Monde des Chapardeurs et Le Conte de la Princesse Kaguya. Et pour terminer avec le 1er avril 2020, ce sera Pomponko, Si tu tends l'oreille, Le Château Ambulant, Ponyo sur la Falaise, La Colline au Coquelicot et Le Vent se lève ainsi que Souvenir de Marnie. Bref, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir de véritables pépites. On notera en revanche l'absence du dernier film sorti en 2016, La Tortue Rouge. D'ailleurs, en parlant de Netflix, ils viennent aussi de dévoiler, hein, ça n'a rien à voir, la bande-annonce de Spencer Confidential avec Mark Wahlberg qui sortira le 6 mars. On y suit un ancien flic qui replonge dans les bas-fonds de Boston après avoir découvert la vérité sur un complot. Il veut ainsi prouver que personne n'est au-dessus des lois. Enfin, à part peut-être lui, du coup. Sinon, pour enchaîner, côté actualité cinéma et qui n'a donc aucun lien, on a de nouvelles informations sur le prochain film Astérix et Obélix, qui pour rappel sera avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch et aura pour titre Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Selon Variety, son budget serait assez énorme, environ 65 millions de dollars. Alors qu'à titre de comparaison, Mission Cléopâtre avait coûté lui 50 millions, et à l'inverse, aux Jeux Olympiques avait coûté plus de 70 millions. En revanche, on en a l'explication, ce sera un film en costume qui se déroule il y a 2000 ans. Donc ils vont construire un village filmé de gigantesques batailles, et cela va nécessiter de nombreux figurants. Et ils auront aussi besoin de beaucoup d'effets spéciaux et bien sûr d'un casting de luxe et de quelques caméos. L'équipe aurait aussi pour souhait de réellement tourner en Chine et serait donc en cours de négociation pour qu'un investissement vienne aussi de leur côté. Et pour terminer dans les informations, selon GQ, Marion Cotillard et Jonathan Cohen feraient également partie du casting. Marion Cotillard jouerait Cléopâtre, c'est un peu surprenant, remplaçant ainsi Monica Bellucci, et pour Jonathan Cohen, son rôle est encore tenu secret. Ça sent le film fait par une bande de potes, ce qui n'est pas forcément mauvais signe. Le tournage est prévu pour le printemps 2020 pour une sortie supposée en 2021. En parlant date, Apple vient de dévoiler les dates d'ajout de ses futurs programmes pour Apple TV+. Et même de manière générale, ils ont dévoilé plein de trucs. Et tant mieux, hein, la plateforme se faisait discrète ces derniers temps. La série britannique Comic Trying sera publiée le vendredi 1er mai dans le monde entier. L'histoire suivra le couple de Jason et Nikki qui veulent un bébé, sauf que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas simplement avoir. Il y aura aussi le docu-série Home qui fera ses débuts sur Apple TV+ le 17 avril. On y découvre certaines des maisons les plus innovantes du monde selon Apple. Le documentaire en 10 épisodes Dear arrivera lui le 5 juin. Ce sera les biographies sur certaines figures emblématiques de la société d'aujourd'hui comme Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, Gloria Steinem, etc. On sait sinon que Apple TV+ publiera les 3 premiers épisodes de la mini-série dramatique Defending Jacob avec Chris Evans et Michelle Dockery. Et ça le vendredi 24 avril. Et ensuite, chaque vendredi sortira un nouveau épisode. Toujours sur Apple TV+, on a aussi le premier visuel pour la production de Steven Spielberg. C'est un redémarrage de la série en 2 saisons, histoire fantastique, et ça arrive bientôt dès le 6 mars. Selon Apple, chaque épisode transportera le public dans les mondes d'émerveillement à travers l'objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d'aujourd'hui. L'image que vous voyez en ce moment même vient de l'épisode The Rift, l'un des 5 qui sera disponible dès le 6 mars.
Et pour terminer, Apple a aussi sorti une image de Central Park, la nouvelle série de la créatrice de Bob's Burger. On y suit une famille qui vit dans Central Park. Apple TV Plus est déjà disponible dans plusieurs pays du monde et il se peut même que vous ayez déjà un an gratuit si vous avez acheté un produit Apple récemment. Rumeur Marvel sinon concernant la série The Falcon and the Winter Soldier qui sort courant de l'année 2020. Selon Daniel Richman, la série pourrait introduire pour la première fois l'équipe des Thunderbolts. Et au final, c'est assez probable, hein, tout semble indiquer qu'ils vont finir par arriver très bientôt dans le MCU. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est une équipe de super-héros composée majoritairement de super-vilains, c'est un peu ça le comble. Comme par exemple Zemo que l'on sait présent dans la série. Autre genre, Dwayne Johnson confirme que le tournage de Red Notice vient de commencer. C'est un film Netflix qui doit sortir en 2020 avec The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Bref, du beau casting 4 étoiles. Et pour terminer ce petit récap du jour, petit point box-office. Surprenamment, ou en tout cas moi je m'y attendais pas, mais Bad Boys for Life cartonne. Alors oui, en France il n'est pas encore sorti, mais aux US et dans d'autres pays, oui. Et il cumule déjà 112 millions à l'international, dont 73 millions uniquement aux US. Et cela, il faut le noter, en un seul week-end seulement. C'est vraiment pas mal, hein, sachant qu'il a coûté 90 millions. A voir comment il va perdurer évidemment, mais ça sent le petit succès. A l'inverse, le voyage du docteur Doolittle lui fait un démarrage plus compliqué, seulement 57 millions dans le même temps. Alors c'est pas terminé, clairement il va faire mieux, mais le monde ne semble pas avoir répondu directement présent, et ça, c'est un peu étrange. On suivra ça attentivement. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu, pensez à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche hein, si vous voulez être tenu au courant de dès que je sors une vidéo, et évidemment à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, parce que pour le coup je partage pas mal. Et sachez pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne de manière financière, c'est possible, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de devenir membre de la chaîne. Et vous aurez accès à quelques avantages comme des vidéos en avant-première, quelques petits bonus, etc. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.